Nous allons parler de l'amour. Hier, nous avons commencé déjà à kolobé la makambo Saint-Valentin. Oyo bandeko mususu bazalaki pour, mususu bazalaki contre. L'amour doit se célébrer tous les jours. Il ne suffit pas seulement d'avoir une seule journée où on peut se dire voilà, c'est aujourd'hui que on va on va se dire tout, c'est aujourd'hui qu'on va se donner des cadeaux, c'est aujourd'hui que on va faire des sorties. Déjà la Saint-Valentin est une célébration qui est, je l'ai dit, qui est d'abord pure, qui est vraiment commercial. Ils ont nuire et puis ils ont diminué et diminuer la valeur. Il y a couple, surtout pour le copinage. Donc il y a un excès. Quand je parle d'excès, je vois plus du côté débauchage. Alors selon toi, qui est responsable? Hein? Parce que moi, je suis pour la fête. Ils appellent les gens qui ont découché la banque. Ils ont raté le 14 février. Ils ont pété bonne année. Donc à chaque fois que nous avons fait la mbeba, donc, à quoi créer occasion de nos jours, c'est ça. Jour où on a vraiment, ils ont permettre pe batou, bacha à l'honneur couple na bango. Et votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Matin qui vous tient en compagnie du lundi de 8h à 10h. M Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Matin qui vous tient en compagnie du lundi de 8h à 10h. M Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Matin qui vous tient en compagnie du lundi de 8h à 10h. M Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Matin qui vous tient en compagnie du lundi de 8h à 10h. M Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous.
vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la N Matin qui vous tient en compagnie du lundi au lundi de 8h à 10h. N Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Votre déjeuner tous les jours avec la N Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la N Matin qui vous tient en compagnie du lundi au lundi de 8h à 10h. N Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Votre déjeuner tous les jours avec la N Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la N Matin qui vous tient en compagnie du lundi au lundi de 8h à 10h. N Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Numéri Love, Numéri Amour, Numéri Bolingo, c'est sur les antennes de Numérica Télévision et surtout dans cette émission N Matin. Fidèles téléspectateurs, merci et nous sommes là de retour pour cette deuxième et dernière partie de votre émission. Bien sûr, nous allons parler de l'amour. Hier, nous avons commencé déjà à Kolobé la Makambwa Saint-Valentin. Oyo Bandeko Moussous Bazaki pour, Moussous Bazaki contre, Patricia Litoko et Esther Jesse étaient vraiment, vraiment contre célébration, il y a Saint-Valentin, tandis que Réel Mambé et Krisnovi Mujinga, Bango Bazaki pour. Balbi, pourquoi ne pas avoir un jour une date Oyo et Sengelito célébrer quand même Mokolo Oyo, Ndeko, Azali Kotombela, Azali Peko Sepela na Molonga ni naye, kasi papa pe a cause à la O Sepela pe na bana naye, parce que Saint-Valentin Zali Kaka entre Mwasina Mobali en termes ya bolingoté, mais aussi hein, ça peut s'exprimer entre père et ses enfants, entre mère et ses enfants. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir seulement avec le sexe. Et, mais là, je suis vraiment, vraiment très motivé ce matin pour écouter également les arguments. Il y a Koyeba, c'est vrai, ma position est déjà prise, mais quelles sont les conséquences? Il y a célébration, il y a Saint-Valentin. Parce que Moutoko Kondima, kakate sans raison. Moutoupa Kokiko Bo et Saint-Valentin, ti kaka sans raison. Il y a des conséquences au Moutou et Koyeko motivé Moutoupo na Koloba et Nandimi, To Naboy. Alors là, nous allons commencer par Esther Jesse. Tu gardes toujours ta position ou tu as changé? Je garde ma position. Pour ou contre? Je suis contre. Alors, pourquoi tu es contre? Qu'est-ce que tu remarques de mauvais? Bon. D'abusif à Katia célébration à Saint-Valentin? Bon, déjà, je l'avais dit hier, pour, avant de rajouter quelques points. Je l'ai dit hier, déjà, la Saint-Valentin est une célébration qui est, je l'ai dit, qui est d'abord
qui est vraiment commercial. C'est une célébration où voilà, on remarque partout, il y a de, tu es obligé d'acheter des fleurs pour d'acheter des fleurs pour ta partenaire ou pour ton partenaire. Donc toi tu évites les dépenses. Bon, c'est pas vraiment ça, mais je trouve que c'est trop souvent. Et puis je pense que ce n'est pas seulement le jour de la Saint-Valentin qu'il faudrait offrir un cadeau à la personne que tu dis aimer, à la personne que tu prétends aimer. Je suis pas vraiment pour cela. Alors déjà, s'il s'agit de parler d'abord des conséquences, vous allez remarquer, pour ne pas d'abord parler du couple, de mariage, token on équipe copinage, niveau copinage, il y a un excès, il y a un abus dans ça. Vous allez remarquer, Ezalara, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces gens qui en abusent. Il y a de petits copains, de petits amis. Et puis, vous allez vous rendre compte que même dans l'hôtel, dans le lieu morobo et secret, il y a des choses pas bonnes, excusez, qui se font et qui ne sont. Et vous avez vraiment propreté, au fait. Je pense que célébration Saint-Valentin, on a, ils ont nuire et puis ils ont diminué et diminué la valeur. Il y a couple, surtout pour le copinage. Donc il y a un excès. Quand je parle d'excès, je vois plus du côté débauchage. Sexe, alors, selon toi, qui est responsable? Ce sont les parents qui ne parviennent pas à contrôler? Est-ce que c'est l'État qui ne sécurise pas, ou c'est l'éducation déjà reçue, un laisser aller na kati ya bano bazali kobima ko ya mbape ko ta ba relation ils allaient peut-être à un niveau où ils allaient bien contrôler. Moi je pense que en tout cas la faute est partagée, que ça soit au niveau du gouvernement, que ça soit le parent et puis l'enfant. Ils ont vraiment partagé. Ça, c'est mon avis. Est-ce que tu ne peux pas changer un peu? Non, il n'y a pas de question. Tu peux pas changer et prendre quand même le côté positif. Non, il n'y a pas. Tout mais est clair dans ce que j'ai. Mais il y a aussi l'expression de témoigner de l'amour. Okay, l'amour. Ce n'est pas seulement le 14 février que tu dois exprimer ton amour à la personne que tu dis aimer. L'amour, c'est pour toute une ville. C'est pour toute une vie. Alors, réellement, tu as écouté Esther d'ici. Mm-hmm. Quels sont les arguments? Est-ce que tu tiens à contredire ce qu'elle vient de voilà. Dire. Alors, d'entrée de jeu, Esther, laisse-moi te faire comprendre que lorsqu'il y a découchage, tout ce que tu veux, et entrer peut-être pratiquement quoi, il y a bien thé, ou qui peut-être nuire les Andromba, les Andromoissi, cela peut se faire cacaté le 14 février, en termes de découchage et tout ce que tu veux. Naba fête n'a pas respective. Parce que moi, je suis pour la fête. Ils appellent bande de Romusu soupe et bande de coucher la bande. Ils avaient raté le 14 février Morobo. Ils avaient pété bonne année Morobo. Voilà. Donc à chaque fois que Moutalina s'est l'embêba, donc à quoi qu'il crée occasion. De nos jours, c'est ça. Vous voyez, nous avons créé occasion. Parce que tu martèles dessus que oui, parce que le 14 février, moi je suis beaucoup plus contre, puisque ça facilite nanani, nanana. Maman, ma bénie, aujourd'hui, énuméré. C'est bien bon, mais laisse-moi te faire comprendre que nous sommes à la poste à ça, ma bé. À Ozeraka, le 14 février. Merci. Voilà. Là, c'était. Alors, de ton côté, parce que c'est toi qui as la parole, de ton côté, quels sont les arguments? Là, tu as défendu, tu as juste répondu à ce que Esther était en train de dire. Mais est-ce que tu ne peux pas défendre d'abord ta position? Parce que toi, tu défends la célébration de la Saint-Valentin chaque 14 février. Exactement, puisque hier, je suis revenu sur des propos convaincants et j'ose croire que même à la maison, certains... Ah, j'étais même étonné. En rentrant, maman m'a dit, mais tu as bien défendu. Ok, oui. Maman Martine Coco, bonjour. Ça m'avait étonné. Alors, moi, je dirais ceci, la fête de la Saint-Valentin permet... Hier, j'avais dit que... Et ça, l'occasion que amoureux, témoigne à Kaboli ou à Bango, pour yolo, qui base là. Le 14 février, tu vas témoigner chaque jour, mais tu vas témoigner chaque jour. Mais un jour spécifique, oh, que, et ça, autrement. Donc, ça, l'anniversaire, chaque jour, on fait un normalement, même quand l'anniversaire, on a eu, c'est yé. Et ça, la rara bien. Et puis, ça, te souhaite, et ça, la rara bien. Là, c'était une petite parenthèse. Voilà, en termes d'amour, je reviens là. La fête de la Saint-Valentin, donne aux amoureux l'occasion de mettre à l'honneur leur couple et de prouver à suffisance l'affection qu'on éprouve l'un pour l'autre. On doit être clair à ce stade-là. Donc, en termes d'amour, jour wana est un jour très spécifique, comme je venais de le dire tout à l'heure. Okoki ko lingamutu. Quotidiennement, bolinga na ralabino et tout ça, mais ils ont un jour où ils ont un jour moko foko, ils ont que jour où on a eu qui collé caté,
au sali moi geste moko et ça l'aura bien. Moi, échange de vœux, échange de cartes, de vœux, tout ça, tout ce que tu voudras, des cadeaux. Et voilà, moi, une sortie, Naïskamuro, Songolo Pakala, et ça rappelle bien. Là, c'était un, deux, deux. Il vous donne l'occasion de casser la routine, de sortir de l'ordinaire pour se rappeler qu'il est, il est agréable de célébrer l'amour. Maman, amour, papa. Maman, excusez-moi. Hein, yom taza amour. Il faut célébrer l'amour. Moi, ça fait genre, deux parties séparées. Alors, tu vas d'abord répondre sur ce que Réel est en train de dire avant que Patricia ne prenne parole. À l'objet que le 14 février, ils ont toujours un jour spécial pour amplifier ou bien qu'on baxe moins sucre sur ce que vous avez, sur votre relation. Attendez un peu. Il y a plus de 365 jours d'année, Moubima. Voilà. Qu'on janvier, ti, décembre. S'il s'agit de chercher un jour pour vos sorties, pour faire un petit truc ensemble, moi je pense que ce n'est pas seulement le 14 février. Non, mais bonne année, vous pouvez créer. J'ai pas fini. Vous pouvez créer un autre jour, et ça dépend de votre entente. Vous pouvez créer un autre jour, vous dites, voilà, non, on peut se voir, on se voit peut-être un 20 janvier, on va sortir, on va aller faire une petite sortie, on va se voir, voilà. Pour Esther, je te prends au mot, le 30 juin 1960, nous sommes indépendants, n'est-ce pas? C'est chaque jour qu'on célèbre l'indépendance. Mais tant que tu es makawana, là, le 30 juin, wana, chaque le 30 juin, c'est autrement. C'est médiatisé, c'est crié par-ci, par-là. C'est célébré. Voilà, c'est célébré, bref. Tu vois? Donc, cela prouve à suffisance que, certes, on est indépendant, voilà, on vit l'indépendance, mais il y a un jour spécifique pour amplifier cette dite indépendance. Alors, j'ai entendu, même vous à la maison, vous sentez que Esther n'a pas assez d'arguments. C'est paramètre aujourd'hui. Alors, Esther, je ne sais pas, tu dois encore te ressourcer. Aujourd'hui, parce que j'ai comme l'impression que Réel t'a pris. Amour? Oh, t'as la laine, la camp pour quoi? La comprendre. Voilà, il y a Patricia Litoko. Est-ce que Patricia, tu gardes la même position qu'hier? Ça veut dire que tu es contre la célébration de la Saint-Valentin. Pourquoi devrais-je la changer? Pourquoi devrais-je changer ma position? Alors, parce que tu gardes ta position, quelles sont les conséquences? Et tu as écouté déjà là, Esther face à Réel qui a semblé ajouter un peu de coup. Esther, bon, je ne sais pas ce que tu prends je aussi. Je ne sais pas si je dois parler en termes de conséquences parce que j'ai pris une position autre que les amis ici sur ce plateau. Pourquoi on ne doit pas célébrer J'en ai parlé hier. La Saint-Valentin. J'en ai parlé hier, Lumumba. Je me répète encore pour dire que l'amour, lorsque deux personnes s'aiment et vivent ensemble, je ne sais pas moi, vous pouvez être en couple, vous pouvez être fiancé ou je ne sais pas moi, marié, je pense que l'amour doit se célébrer tous les jours. Je l'ai dit hier et je me répète. L'amour doit se célébrer tous les jours. Il ne suffit pas seulement d'avoir une seule journée où on peut se dire voilà, c'est aujourd'hui qu'on va, on va se dire tout, c'est aujourd'hui qu'on va se donner des cadeaux, c'est aujourd'hui qu'on va faire des sorties ou je ne sais pas moi, quoi d'autre. Mais je pense pour moi que l'amour se célèbre tous les jours. Lorsque vous vous aimez et que vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous allez les célébrer tous les jours. Vous allez faire des sorties tous les jours. Vous allez vous donner des cadeaux tous les jours. Tant que vous le pouvez, voilà, donc il ne faut pas seulement qu'il y ait une journée du 14 février pour que je fasse un cadeau à mon chéri ou encore que mon chéri me fasse un cadeau. Il ne faut pas seulement qu'il y ait cette journée-là. On t'a déjà offert un cadeau le 14 février, on t'a déjà surpris, on a déjà créé un événement à ton honneur le 14 février. Les surprises, on en a eu beaucoup dans la vie et ça n'a pas toujours été le 14 février. Donc ça a été plusieurs fois. Jamais, je comprends que jamais. Non, non, je n'ai pas dit jamais, ne dis pas, non. Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit jamais, mais je dis les cadeaux, ça s'offre tous les jours. Donc j'ai eu l'occasion d'en avoir plusieurs fois. J'ai eu des cadeaux en décembre, c'était pas la Saint-Valentin. J'ai eu des cadeaux en janvier, c'était pas la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc pour Patricia Litoko, la position reste inchangée, fidèle téléspectateur. On va prendre également Kisnovi Mujinga, mais avant, je reviens à Réel Mambé. Réel Mambé, Patricia n'a pas tort. Elle a largement tort. Voilà. Et comment?
Non, mais bon, là, puisque c'est un débat, on essaie de dégainer également. Non, que, donc je garde ma position, je ne changerai pas. Je pense que c'est comme ça et ça reste comme ça. Non, on va faire un débat, puisque de l'or où. C'est toi qui veux faire un débat, moi je ne veux pas faire un débat. Non, on va faire un débat. Tu as tes convictions, j'ai les miennes. Non, on doit en faire un débat, puisqu'on est sur un plateau de télé, voilà. Et puis il y a des filets de téléspectateurs qui sont en train de suivre. Voilà. Alors moi, je resterai irréversible par rapport à ma position à moi. Voilà. Alors, en termes d'amour, vous savez, Lumumba, on doit se dire quelque chose. Hein? Carte sur table, Boy. Oui, bien, Bolingo, Eza, Gémeaux, Boy, il y a exactitude. Voilà. Vous savez, lorsque, il faut savoir taper plein dans le mille. Patricia a parlé de l'arrière. Hein. Voilà, il faut savoir taper plein dans le mille. Donc, hôtel, maintenant, Obi, bon. Il faut avoir l'esprit créatif. Il faut avoir l'esprit créatif. Le 14 février, admettons que Patricia vivait avec son conjoint et tout ça. Bah, ça, moi, le roi, qu'au Bébana, deux semaines avant le 14, on en déduit déjà que Barcelaté. Barcelaté, là, c'est clair et net. Mm-hmm. Et puis, pour amplifier, par exemple, un Dexter comme moi, pour amplifier la situation, pour la rendre sous suspense, sous vivant, qu'est-ce que je ferais? À 2-3 jours, il y a Saint-Valentin. Donc le 11. Le 11. La tombe sous problème, sous. Et ça, il vraiment que dans l'hôtel, il y a flamme. Donc, de bloquer les réseaux sociaux, tout. Qu'est-ce que je fais? Quand le 14, on a. Bon. On a bigné sur quoi, on a numéro, sous. On a tié voix, on a ma longa. Salut chérie, tu sais, tu m'as manqué, hein. Hormis tout ce qu'on a pu connaître comme Aléa et tout ça, tiraillement. Un bon scénario. Voilà. Oh, sérieux, je jure. Pourvu que ça accroche et si elle refusait ou elle raccrochait. Oh, non. Ma papa, Bolingo. On va raccrocher première fois, deuxième fois, troisième fois. On reçoit. Vous avez des soucis, vous êtes en palabre avec, voilà. Avec ta chérie, donc tu attends le 14 pour pouvoir arranger les choses. C'est un peu ça. De créativité, donc tu ne sais pas toi-même que non, voilà, j'ai mal agi, je dois aller, par exemple, m'humilier. Le temps sera en ma faveur. Tu vas attendre le 14 février, c'est ça. Non, le temps sera en ma faveur. Comment? Puisque c'est le 14. Consciencieusement, attends, pour une femme qui est mature. C'est ce que je ne veux pas entendre, puisque c'est le 14, puisque c'est la Saint-Valentin. Il m'appelle le 14, un certain 14 février. C'est un peu spécial, oui, c'est spécial psychologiquement. Oui, ça va jouer. Tout le monde rien n'a pas tort. Toute cette semaine, on est en accrochage. A au moins l'intention de dire que non, c'est une journée où ils allaient célébrer dans le monde de mon bimba. C'est pas tout le monde, nous, Mamba. Il y a deux personnes qui considèrent ça. Il y a toujours des exceptions. Il y a règles. Exactement. Il y a toujours des exceptions. Parce qu'il faut le dire, déjà, dans le temps, c'était une fête païenne. Et plusieurs personnes, selon leur religion, ne fêtaient pas cela. Oui. Ce n'est qu'après, je ne sais même pas comment ça s'est fait que, comme ça, on a une fête religieuse. Moi, je n'ai même pas compris comment ça peut passer de là. Si tu étais l'autorité qui allait réglementer les fêtes en RDC, tu allais. Mais on n'oblige personne à fêter cela. On n'oblige personne. Donc, ça, c'est pour ça que je le disais hier ici. Hein. Ça dépend de toi. Donc, ceux qui ont l'ingi, et ça, ça dépend d'ailleurs. Nicolas Frazané, ça va voir. Ça dépend. Et ça, ça dépend d'ailleurs. Voilà. Sauf que l'ingo fêter Saint-Valentin. Voilà, ça dépend d'ailleurs. Sauf que l'ingo fait sa cadeau. Ça dépend d'ailleurs. Mais si qu'on a une lobby, moi, je ne vois en plus. Voilà, ça dépend d'ailleurs. Voilà, ça dépend d'ailleurs. Pour essayer de clore ce débat, je pense que. 85% de femmes à travers le monde vivent l'amour avec un A minuscule. Pourquoi? Et comment? Voilà, je m'explique. Pourquoi on fait là? 85% de femmes à travers le monde vivent l'amour avec un A minuscule, contrairement à vivre un amour avec un A majuscule. Pourquoi? Parce que baoba vivra bolingo wana ba A minuscule wana. Esprit à créativité, ils allaient rater et régner entre bangoté. Bah, vivra pleinement l'amour. Pour la moto, vivra pleinement l'amour. À quoi bah, important ça, bah, le Nil, bah, le 14 février, wana. Important, c'est l'échange de cadeaux. À quoi bête, ramba, tate, son et les fleurs. À quoi c'est, n'a pas eu de cabelle, on a place à fleurs. Non. Là, je reviens. Bah, vivre l'amour avec un A minuscule. Minuscule. Mais bah, vivra l'amour avec un A majuscule. Un grand amour. Attends, un peu réel. A minuscule, Anna. Quand tu écris amour et puis avec A minuscule et A majuscule. Dis-moi la différence quand tu lis. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Quand tu lis. Ça donne. Quand tu lis, s'il te plaît. On a A majuscule avec M O U R. A minuscule M O U R. Lis maintenant. Ça te donne quoi? Je le dis. Non. Tu lis amour et amour, non?
Mais voilà, pourquoi tu veux compliquer les choses? Ça fait Dieu avec un D minuscule et Dieu avec un D C'est différent. Alors, nous allons prendre aussi l'avis de... En termes de lecture, c'est différent? Non, en termes de lecture, oui. L'intensité. L'intensité. Voilà. Je ne suis même pas encore allé là-bas. Je vous ai juste posé la question. Toi, tu es resté dans ce qui est réel. Oui, comme à Solo, il y a pas de... Il y a de homme avec un grand H et de homme avec de petits H. Oui, il y en a. Merci. Il y en a. Je ne te donne pas également raison parce que nous devons d'abord écouter Esther. Esther, Lélo, il faut se dire quand même que Yéba, Oyeki, déjà, n'est pas au Bundanawa. Non, Christovi, excusez. Parce qu'Esther, à Bandaki, à Pessi, il y a Yéba régulièrement. Mais apparemment, c'est un peu vite balayé. Ah, parce que Bitounetika d'entre Banzoro, Mimbaré, Baza, non, mais comme le baron, j'ai bien vu que Baza distribue. Ah, ouais, bon. Alors, point de vue, les Alindéenine, vous allez pour ou contre Lélo? Ben, écoute, Lumumba, je garde toujours ma position. Donc, je suis pour la Saint-Valentin. Pour donc, la célébration de la Saint-Valentin. Pour la Nini, ils ont motivé à garder toujours position. Alors que c'est une fête païenne, selon ce que Patricia a dit, c'est une fête qui crée des dépenses, selon Esther. Et c'est une fête également qui détruit des mœurs, qui induit les enfants ou les adolescents en erreur. Ils ont pu créer des conséquences dans la carte de la parce que Bandeko a demandé un cadeau. Il a demandé un cadeau. Il a demandé. Mais c'est en défaveur des avantages. Ils ont en avant. Je pense que réellement B et Esther n'ont pas également tort. Mais côté Nayo Lobby, ni une position Nayo Lobby, écoute, Lumumba, tout d'abord, j'aimerais dire que toute chose et leur union sur Ezana, avantage n'a désavantage. Alors, il y a des avantages, conséquence, c'est à dire madame côté Nayo. Donc, tout d'abord, il faudrait savoir que fait Suana. Et zappé occasion pour battre mingi bakanza non toujours fêter et tout il faut tout comme là comme l'a dit l'autre fois Patricia Litoko donc et zappé occasion il y a besoin de nouvelles résolutions donc bo vandi boe bo sale examen de conscience bo tali oyo ezo simbaté na couple na bino parce que ils a fait ti amour non donc bo tali oyo ezo simbaté na kati ya couple na bino bo bandi ko bon ben oui bien sûr comme l'a dit mais est-ce que c'est même le 14 février pendant bon ça va place ba bien sûr donc ezo donc au tal abino parce que bo vivra tout le jour mais ba te belé pe bazan ba occupation na bango bino mbalé bazan ba occupation na bino mama za na bana kotoyo et autres deux fois pe bo komi bo sa na pe bino mi balé donc j'ai à prendre soin de votre couple voyez un peu donc jour où on a vraiment ezo permettre pe batou bacha à l'honneur couple na bango voyez un peu donc ils ont ma cambo belé ba projet bo sala et autres jour où on a pu vous pouvez en discuter pour faire quoi pour aller de l'avant et puis qu'on fête donc qu'on s'offre ba cadeau. Alors réellement B. Oui, en termes de temps, parce que Bazin peut-être un petit peu étonné Yaroloba que il faut attendre seulement le 14. Bon, et le but était que to soigner en janvier. Le 14 ou soit to soit en décembre, je dois attendre l'année prochaine pour bongsa le 14. Non, on a le matin en termes de temps que par exemple ceux qui conçoivent un abisso, ils a quelques jours peut-être na la Saint-Valentin en tant que Mobal a un esprit créatif, Mobal avec un grand H. Voilà, homme vraiment na H à mounene. Voilà, vous pouvez profiter avec le temps parce que le temps joue toujours en notre faveur. Bon, j'ai une question pour toi parce que tu reprends ce que tu venais de dire tout à l'heure. Voilà. Ce que vous avez face à mon tour, vous salez reproche à Zokate, même jour à Saint-Valentin, est-ce que vous assurez que ce que vous salez ou changez de stratégie à non, non, mais si et seulement si on est consciencieusement, on sait que Mutuna Mayoyo, elle a l'esprit ouvert. Azan a sens et a romantisme. Voilà. J'ose croire que et aussi. Là, ça dépend maintenant des types. Voilà. Ouazan a sens, il y a romantisme, thé, et Linda. Et Linda. Merci beaucoup. Donc, Patricia, donc, Moutou Azelaga, en quelque sorte, tu donnes quand même raison à Patricia et Steph d'ici. Non, 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 je garde. Merci, fidèle téléspectateur. On peut prendre quelques messages, il y a des réactions. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire, fidèle téléspectateur. Le débat est en train de continuer. Votre contribution également. Importante dans ce débat lors de ces grands moments du sujet du jour. Alors, nous allons essayer de prendre la lecture de quelques messages. Il y a émission Mobimba, cas sujet T. Nyonso Bokomaki, Bakoyoko Tangela Bisso, mais Mingi, Zali Kopona, entre Patricia Litoko et Esther Jessie.
Voilà, donc alors, elle nous écrit depuis Brazzaville. Elle, c'est Maggie la Siméon. Elle nous dit bonjour un matin. Ponanga, Bolingo et Zalaka chaque jour. Mais pour la journée à Saint-Valentin, Eza m'a bêté pour la cofete yango. Normalement, Eza journée spéciale. Oh, bah, Pessi Bisso, bah, amour. Renan, la Pessi Binoamou. Il faut te profiter. Il faut te profiter. Au moins, voilà, une femme qui vit l'amour avec un grand. Voilà, en tout cas, c'est bravo. Ça. Et moi, je vis l'amour avec un petit. On a d'abord la première. La première réaction en faveur ou qui appuie les dires de Krisnovi Mujinga et Réel Mombé. Donc, côté Nabaran, déjà un but marqué en termes de téléspectateurs. On évolue s'il y a des messages, et Esther et Patricia. Alors, bonjour Numérica Télévision, ça, la personne n'intervient pas, je pense. Je suis un téléspectateur de Numérica depuis Brazzaville et j'aimerais savoir quand et à quelle heure l'émission Profondeur passe. Merci. Alors, nous allons vous répondre avant la fin de cette émission. Voilà. Merci de nous avoir écrit également. Voilà, donc, il y a d'autres amis qui font juste signe, que Baza branché. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a des messages ? Oui. Allez-y. De la part de Julio Mapoko, il dit sérieux, la Saint-Valentin, c'est une dépense de trop. Voilà. C'est un homme. Alors, voilà. Alors, c'est un homme. Et au moins, il un but partout. Alors, nous allons. Là, c'est un homme avec un petit H. Le 14 février n'est pas un jour spécial pour les mariés, d'autant plus que nous partageons l'amour tous les jours sans attendre la Saint-Valentin. Voilà. Malheureusement, le message n'est pas signé. Alors, on a maintenant deux contre un. On va essayer de jouer je le chrono. Je le dis ici qu'il y a plus de 85% des femmes qui vivaient l'amour avec un petit A. Mais il y a un homme. Il y a un homme qui vient de dire. Et c'est vice versa. Là, une belle musique. Il y a quand même une belle musique. Toi, c'est retrouver. Là, c'est la douleur de la défaite qui fait parler l'enfant de l'homme. On va prendre quelques autres réactions, Patricia, entre Patricia et. Alors, il y a notre ami qui nous dit Aseki Nanouye Mongo. Et puis, Alobi, sérieusement, je suis contre. Les conséquences, il y en a beaucoup et je vais vous les partager au courant de la journée. Alors, merci beaucoup, monsieur, de nous avoir écrit. Ça fait 3, 1. Il y a un monsieur qui nous a écrit qui a dit que la Saint-Valentin n'a jamais été une fête païenne, selon lui. Là aussi, c'est quelqu'un qui est neutre, un arbitre qui dit que ce n'est pas une fête païenne. C'est son point de vue, il faut le respecter. Voilà. Nous ne pouvons rien commenter là-dessus. On ne peut rien. On va faire un tour, je ne sais pas. Sur la page Facebook de cette émission, vous avez la possibilité également de nous suivre sur la page officielle de votre tranche. Un matin officiel, c'est le nom qui va vous permettre quand même de partager ce moment du sujet du jour, mais également participer ou contribuer à différentes rubriques. Il y a émission Nabino. En attendant, je salue l'homme qui assure rien que par sa bienfaisance. Lui, c'est Nono Mukambu, le millionnaire patron de la fondation MKS. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le peuple congolais. Montignon Sazali n'a problème à détresse. Nono Mukambu Zaliwana. Azali, qu'on répondre positivement. Clin d'œil spécial à toi, mon ami Jocelyn, depuis quelque part. Et bonjour à toi, Dauphin Boulamatadi, l'homme qui assure, qui détecte, mais qui fait aussi rajeunir. Bandego Moussousou Bassi, nous n'a qu'à là, artistiquement parlant. On va t'écouter aux amis. Voilà, alors il y a nos amis qui nous font signe à travers la page officielle, un matin officiel. C'est Delphine Issan qui nous dit la grande équipe, bon boulot à vous. Merci Delphine. Merci Delphine. Il y a aussi Sly Mukendi Chambouilly qui nous écrit et dit l'habitué de cette émission. Voilà, équipe fort, on est ensemble. Merci, on est ensemble, Sly Mukendi. Christivi Oyakoy qui nous dit je vous aime beaucoup. Merci Christivi, on t'aime aussi. Et il y a Dorian Bourgogne Koula qui est branchée, voilà, elle fait signe qu'elle était branchée. FM Mode, Francine Mukendi, de son quelqu'un. Vraiment, mesure en aux orangai, faut-il 2022, merci. Voilà. Alors, ce sont des personnes qui ont également réagi à travers la page Facebook de votre émission. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de continuer. Ça va? Nous pouvons évoluer ou on n'arrête pas là, carrément? Le temps nous fait défaut, on ne doit pas attendre.
Oui, on peut. Il y a des appels. Nous ne pouvons pas prendre. Désolé, nous ne pouvons pas prendre vos appels. Oui. Il faudra nous appeler juste après émission parce que on n'est pas à mesure d'avoir des appels. Mais Esther pourra, Krisnovi pourra quand même prendre le téléphone et parler avec vous, pas en direct, bien sûr. Non. Je disais qu'Esther n'arrive plus à revenir elle-même suite à. La séance de coups qu'elle a pu avoir tout à l'heure. Bon, ça n'arrange pas, tu peux profiter du pansement. T'es désaltéré peut-être. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Vous pouvez passer au 5e niveau de l'immeuble Beautour, vous procurer ce magnifique décodeur qui s'appelle tout simplement Num TV. Et Kuba et Linda, ils ont dit Madame Mingi. Vous trouverez Doudou Kasuba et l'équipe qui est en place pour vous servir. Et ce décodeur, équipe Ranango Courante, Mais il y a la possibilité de vous connecter à Wi-Fi parce que bon, on a déjà un équipement à Sika. Numérica Télévision, une longueur d'avance, fidèle téléspectateur. $15 seulement, il y a Bisso, Kasi Transport, Nayomoko. Merci. Alors, bon mardi du 16 février 2021 à Serge Kalambay, le véritable patron Bogos. Bonjour et surtout bon mardi à toi, Frangin, depuis les États-Unis d'Amérique. On est ensemble. Kikolo et Yinda, Moulebeta, Bakake Bakisama, Tuzanayo. Serge Kalambay, le véritable patron Bogos, bonjour et bon mardi à toi. Raël Mambé, nous devons en chuter pour aujourd'hui parce que le temps nous presse. Justement, Lumumba, tous les plaisirs étaient de nôtre de servir à nos fidèles téléspectateurs cette toute nouvelle édition de ce mardi 16 février 2021. Et ben, vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Question pour nous de rentrer à les serrer sur ces demain, avoir des idées fraîches, des informations également de première main pour faire les choses autrement. Alors, avant de quitter, je pense comme cela, trois sœurs au grand cœur. Oh, bah, l'on a pris Nobel, Yakokaba. Voilà, elle, Bango Benaba, la moutema, ya maman Noirite Ningampeta. Bien sûr, Anouarite. Voilà, je vois donc Espérance Bébé Zantoko, Florence Philo Zantoko, elle suite Patience Zantoko, Baxele El Pastore. Ah, merci infiniment pour tout. Je suis vraiment comblé. Je vois également mon grand frère, Kouloutou. Bon rétablissement à toi. Le Kouloutou Johnny Kialombo, l'expert comptable digne de son nom. Je vois Patricia, Prisca la patrona depuis Paris, France. Je vois Charban Lelo Dior depuis le marché Bayaka. Le banquier le plus expérimenté de la ville-province de Kinshasa, monsieur Christopher Kaniki. Merci infiniment. Je vois le banquier. Voilà, au vrai sens du mot, là c'est un autre banquier, monsieur Omer Kassanda, même les plus ivoiriens savent voir que tu es un banquier bourgeois. Coucher du soleil, voilà la petite Angie Didi Mola depuis la maison. Et pour clôturer, Benidiwa, merci infiniment d'être de l'autre. Moi je salue maman Martine Coco, Esther Jessy, nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième numéro hebdomadaire. Aujourd'hui, alors fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été scotchés, merci d'avoir été là, scotchés devant vos postes téléviseurs, devant sur notre page Facebook. Alors très rapidement, je pense et je remercie à celui qu'on appelle Eddie Divioka, un grand juriste. Big salutation à toi. Je pense également à la personne qu'on appelle Hélène Arata Aoka, à partir du Canada, ma mère d'amour, Nzamba Pambola. Voilà, il est l'invitatif téléphonique de mon pays. Lui, c'est Willy Moucheni, Kodamboka, Mbote, place aux alliés. Surtout, bon mardi, il y a 16 février 2021, et Painayo, entre Braza, Kinshasa, d'un côté, en tout cas, Yayo, Izarakanango, Carré, Mbote, et surtout, Vie Malamu, Mokolo Malamu, Nyon Suezala Malamu, Nangolu, Yatatanzambé. Alors, big dédicace, c'est surtout, clin d'œil spécial au général Sam Kabila, la fierté de l'armée, l'homme qui assure rien que par la volonté de bien faire, malgré les moyens, mais la volonté y est. En beauté place aux alliés, mon grand, sans oublier Audrey Mohamed Gyunkoulou, l'assistant du chef. Quand il assiste, il rassure.
Moto Azoapi, Moto Malama General Sam Kabila, Mbote, place aux Ali. Kresnovi Mujinga, Lingito Kabwana Pona Lelo, rendez-vous Etika la Pona Lobby, ce qui nous a mappé Sibiso Pema. Exactement, c'est déjà la fin de ce deuxième numéro de la semaine. Et je vous remercie pour votre fidélité à cette émission. Je vous donne déjà rendez-vous demain à la même heure, ne manquez pas. Bonne journée à vous et restez branchés au programme de Numérica Télévision. Merci à un programme qui s'est relayé. Également relayé sur Internet, Lucas Soyoz à YouTube, Lucas Kaka Numérica Télévision à YouTube. Vous verrez toutes les émissions, les différentes émissions. Naya Jean-Pierre Kibambi, Naya Banadine Maïfiloa, Naya ba Patricia Dito Konyon, Suidandani Koti Kuna. Et ça se passe comme ça, Patricia. Nous devons chuter pour aujourd'hui, clôturer avec l'espoir de retrouver les téléspectateurs demain. Esther est en train également de venir comme Chris Novi. Vous venez au plateau A. Voilà donc, nous vous disons un très grand merci d'être les spectateurs ainsi que tous nos amis internautes. Vous avez été nombreux à nous suivre et je pense que vous avez quand même pu retenir quelque chose à travers cette animation, l'animation de cette journée. Alors, je dis comme ça, bonjour à celui qu'on appelle Jeannot Malakatai. Bonjour à toi. En parlant de Jeannot Malakatai, j'en profite pour souhaiter comme ça un très joyeux anniversaire à maman Régine Ngalula Poutou, la maman bien sûr de Jeannot Malakatai. Qui souffle un autre bougie, une autre bougie aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, heureux anniversaire à vous, maman Régine Ngalula Poutou. Salutations à toi, Chang Bimancha, Jules Bimancha, le prince de la ville. Je te salue également. Je pense également à toi, le super fan Josué Jokibonja, depuis quelque part. Et sans oublier Junior Senda, autrement appelé Junior Béton. Voilà, ça c'est pour vous. Et je pense que ça en est tout pour aujourd'hui, le mois pas. Alors, il est le patron de la ville province de Kinshasa. Lui, c'est Jean-Tini Ngobila, le visionnaire de Kinbopeto. Bonjour, je salue en passant l'assistant du chef. Lui, c'est Monsieur Lévy. Bon mardi à vous, fidèles téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ce deuxième numéro hebdomadaire. Le prochain vous sera présenté avec le même plaisir demain, avec la même équipe. Et merci en passant à tous ces hommes braves qui ont abattu un travail de titan. Tati Kassa qui a réalisé cette émission, assisté comme ça par Freddy Lutona. On a vu Jires Chimanga et Eric Ndongala qui ont assuré le cadrage de votre émission, sans oublier les à côté, hein, les à côté. Masdao, Bazarana, Bissochak Tongo, Lydie, Lando, Na, Fanny Kalunga, sans oublier Sarah Kita, je vous salue. Le prochain rendez-vous de votre émission, c'est déjà demain à 8h, heure de Kinshasa. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Vous êtes amoureux d'un bon petit déjeuner? Alors, prenez votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Matin qui vous tenons compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. M Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude.